C'est comme un gisseau. Zoti William, s'il vous plaît. William, pour la télé albanaise, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous êtes vraiment une troupe formidable. Votre spectacle m'a touché, mais transpercé dans mon âme, dans mon corps. Pouvez-vous résumer votre histoire? La Vierge et le Cafard, pour la télé albanaise, tous les Albanais vous écoutent. Oui, eh bien écoutez, tout d'abord, bonjour à toute l'Albanie. Pour résumer La Vierge et le Cafard, je dirais que c'est un conte moderne vu à travers le prisme kafkaïen de la métamorphose. Oui, enfin, c'est surtout une vierge qui se fait violer par un gros cafard mouton géant. Intrinsèquement, oui. Oui, intrinsèquement. Est-ce que à ce projet théâtral, vous y avez toujours cru? Si on y a toujours cru. Je me casse. Mais attends, je vais dans 10 minutes là. T'as écrit de la merde, tu nous mets pas en scène, tu nous démets en scène. Le seul truc qui nous sauve, c'est qu'il n'y a pas de public. Il y a que deux personnes. Mais ouais, mais c'est mes parents, tu peux pas me faire ça. Et alors? Mais attends, ils viennent spécialement de Johannesburg là. Mais je m'en fous qu'ils viennent d'Hollande. C'est en Afrique du Sud. Attends, elle est où Marie-Louise là? Parce qu'elle va être sur scène. Il y a Eva qui est en mode bug là, on comprend rien du tout à ce qu'elle raconte. Putain de costume, la con qui me fait chier. Toi, tu me fais chier. L'autre et ses bruits bizarres me fait chier. Celle qui dort tout le temps me fait chier. Mon ex-femme me fait chier. Sa pension alimentaire de merde me fait chier. Mon gosse débile me fait chier. Vous faites tout chier! Tu dis oui à la vie, tandis qu'en moi, je la sens grandir. L'amour n'a pas de forme. L'amour n'a pas d'espace. Arrêtez de couper mes cycles! J'ai plus que 3 minutes avant de rentrer sur scène! Ulrich, rappelle-toi tout ce que tu as sacrifié pour ce rôle. Ta femme, ton enfant, ta dignité. Tu es arrivé à un tel niveau de non-existence que tu as su capter l'essence même du cafard. Tu t'es tellement fait pénétrer par cet insecte que quand j'en vois un dans ma cuisine, je pense à toi. Je le caresse. Et tu voudrais tout abandonner maintenant alors qu'on vient seulement de commencer? Je dis non, Ulrich. Je dis non. Je dis arrête ton caprice et va me faire ton cafard. Va faire ton cafard. Je vais faire le cafard. Voilà. Va faire ton cafard. Voilà. Attention. Salut les carottes. On te l'a déjà dit, nous c'est les courgettes. La compagnie des courgettes, c'est simple, non? Félicitations, vous avez du monde. C'est chargé. Tu vas avoir peur, mais 200 spectateurs, vous vont croiser votre foule. Berceau professionnel, ferme ta gueule. Oh, t'es un petit peu tendu. Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de tes parents? Comment ça, mes parents? Figure-toi que je suis allé leur parler, parce qu'ils avaient l'air complètement perdus, donc j'ai voulu leur expliquer un peu ta pièce. Et là, pendant qu'on jouait, là? Non, mais t'inquiète pas, hein, je suis très courtois. Hein, je leur ai même offert des places pour voir un vrai spectacle, mon one-man show. Enfin, pas en ce moment, parce que c'est tout le temps complet. Hein, c'est une tannée, l'organisation. Vous avez de la chance, hein, vous avez pas ce problème-là, vous. Et ta mère m'a invité à dîner dimanche, au gigot, en famille. Elle est vraiment mignonne, hein, je vais lui offrir des fleurs. Coucou tout le monde! Myriam, ce serait pas mieux que tu sois alors comme tout le monde, non? Il leur reste cette réplique, j'ai largement le temps de me changer. J'étais retenue au travail aujourd'hui, j'étais hôtesse de cabinet, il y avait des grosses commissions et j'ai vraiment dû me salir les mains. Quel genre de cabinet? Avocat, Audi, conseil? Les WC, du Georges V. Un métier plein d'avenir. Ma perruque. Martin! Martin! Oui. Ma perruque, elle est où ma perruque? Elle est sur Marie-Louise. Ah non, mais je peux pas rentrer sur scène comme ça? Non, c'est pas possible! Sur toute la pièce, tu as qu'une seule réplique, d'accord? Alors, tu peux le faire, oui. Et tu vas le faire. Ok. D'accord? Ok. Allez, viens, tu fais. D'accord. T'inquiète pas, t'es la meilleure. Oui. Tu vas tout donner. Ça marche. Ok. Allez. Ok. Vas-y. Donne tout. Vas-y. Go. Ouais. Vierge, tu nais. Ne le restes-tu pas? Entrez. C'est mon moment préféré. Je viens vous annoncer une terrible nouvelle. Non, cafard! Ne me tue pas! C'est beau. Ah, je l'ai bien senti. Arrête, cafard! Tu as mangé ton enfant caché!
Je le sais, je t'ai vu. Tu m'aurais menti, vierge. Oui, contre mon gré. Pourquoi? Un, deux, trois, quatre, non. Qui a osé poser sa perruque sur ma table de maquillage? Ah oui, c'est moi la perruque. Bon, les gens, je crois qu'on a encore besoin d'une petite introspection. Hein. William, elle m'a ruiné ma performance. Hein. Moi, je peux pas travailler avec des amateurs pareils. Elle m'a piqué ma perruque. Heureusement, j'ai pas cédé au stress. Ah mais oui, c'est ça, exactement, c'est ça qui s'est passé. Là, ça déclenche des choses, c'est bien les enfants. Et lui, il a osé me couper ma réplique. Déjà qu'avec son costume, j'ai pas de place sur scène. Et alors? Et alors? Mais c'est moi la star. Tu rigoles, là. Je te domine sur l'affiche, toi t'es rien, t'es de la bouffe. Moi je suis divine sur cette affiche. Toi tu restes qu'un vulgaire petit insecte qui pendouille. On avance là, on avance, quoi, c'est là bien. C'est bien. Je vais briser tes petites pattes arrière. Ça ne marchera jamais. Excuse-moi. J'ai tous les spectateurs qui désirent parler aux comédiens. Ah, je crois que c'est des fans. Oui, je vous en prie, rentrez. Bravo, bravo, bravo à vous tous. Vous avez été formidables. Et vous, ce moment seul, sur scène, était d'une telle émotion, n'est-ce pas, Jean-Chil? Oui, 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 ça fait. Nous connaissons un réalisateur à Johannesburg qui vous prendrait sur le champ, hein, vous savez. Je vous donne mon CV. Oui, bah, excusez-nous, mais on n'a pas vraiment le temps. C'est de la technologie de Winner, ça, c'est le dernier iPhone 8 avec Wi-Fi et Bluetooth. Hein? Mais oui. Et moi, vous en avez pensé quoi, moi? Mon chéri, parle moins fort quand tu joues et essaie de trouver un pseudo, hein, d'accord? Au revoir. Ah, et à dimanche pour le gigot, hein. À dimanche, mon petit Hubert. Et bonne route, prenez soin de vous. Hein. Merci. Allez, au revoir. Voilà le fils que j'aurais aimé avoir. Ah, William, t'as entendu? Ça y est, j'ai mon CV. Non, mais Juliette. Ils sont partis? Si on y a toujours cru. Oui, oui, oui. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la procédure pour déshériter un enfant ?